Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Petit cadeau de Noël, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau de Noël? Le P11. Le P11, c'est un appareil de chez ProSonic. Alors on est sur un carton assez grand. Alors comme je vous ai dit, on est donc sur la marque ProSonic et le P11 est un aspirateur tactile non connecté mais avec de la puissance. Et tout ça, on va le voir dans le déballage de notre tout nouvel aspirateur, le P11 de chez ProSonic. C'est parti les amis. C'est un aspirateur à main qui va être un des gros concurrents des aspirateurs Dyson. C'est un aspirateur balai rechargeable avec une spécificité. Vous allez entendre ça dans la vidéo. Vous allez voir, vous allez être très étonné. On va tout de suite l'ouvrir. Alors je suis assez impatient. Je vous ai attendu un petit peu puisque c'est un de mes cadeaux de Noël. J'adore les aspirateurs. Et voilà le P11 qui est arrivé. C'est vraiment génial. On a donc une protection par rapport au P11 qui est mis sur le côté gauche. On a donc les notices. Et bien sûr, cette notice sera entièrement en français. Avec la notice, vous allez avoir une petite balayette pour nettoyer l'aspirateur. Voilà, donc après la notice, on va rencontrer tout de suite l'aspirateur à main qui ressemble vraiment à du Dyson. Et ça, c'est balèze. Voilà les amis, donc le P11, l'aspirateur de chez ProSonic. Il faut savoir que ProSonic fait des aspirateurs à main tels que les Dyson, ainsi que des aspirateurs robots. C'est le top puisque ici on voit la surface tactile. Super beau. On dirait vraiment un pistolet qui sortit tout droit de la galaxie. On continue le déballage. Ensuite, tous les ustensiles vont se trouver dans deux cartons côté droit. Sur le dessus, on va donc avoir le balai aspirateur avec, comme je vous avais dit, surprise. À l'arrière, on aura la possibilité en même temps que d'aspirer, de passer la serpillière. Et ça, c'est franchement génial. Une possibilité de pouvoir passer la serpillière en même temps que d'aspirer. Une double fonction que n'ont pas tous les aspirateurs. Et le P11 possède cette fonction qui est vraiment géniale. On va voir par la suite comment se servir de cette serpillière en même temps que d'aspirer avec notre aspirateur à main. L'avantage avec ce système de serpillière, c'est que l'on va pouvoir frotter, appuyer, ce que ne font pas aujourd'hui les aspirateurs robots. Voilà donc, par contre, un des gros avantages, c'est que la serpillière vient s'aimanter, écoutez ça, vient s'aimanter juste derrière notre aspirateur balai. Et ça, c'est vraiment chouette puisque c'est un des seuls aspirateurs que je connaisse aujourd'hui qui puisse aspirer en même temps de laver votre sol comme aspirateur à main. Et ça, c'est vraiment le top. Alors les amis, qu'est-ce que l'on va avoir avec notre ProSonic P11? On va donc avoir l'aspirateur à main avec son tube, avec une serpillière de rechange. On aura donc un petit adaptateur pour les canapés avec une brosse dure. On aura donc un adaptateur pour les tapis. Vraiment génial. Bien sûr, l'aspirateur va se sceller au mur grâce à ce sabot. La connectique propriétaire. On va tout de suite passer au montage, c'est parti. Donc le P11 est un aspirateur à main, sans sac, puisque ici la cuve fait donc 1,2 litre, qui s'ouvre tout simplement par le biais d'une petite targette ici. L'aspirateur, lui, se monte très simplement. Le tube vient s'encastrer rapidement ici en le positionnant ici et avec un petit bouton poussoir qui va vous permettre d'enlever notre tube sans problème. Voici donc le P11 une fois monté entièrement. Alors le P11 a 3 vitesses, il est complètement tactile. Ici, si je vous mets, alors on peut s'apercevoir sur la surface tactile tout en haut le niveau de batterie. Tout en bas, on a le bouton tactile, complètement accessible lorsqu'on passe notre aspirateur. Et même sans voir,
on peut venir tapoter sur ce bouton tactile. Donc on a une petite vitesse, une grosse vitesse, et on se met en mode auto. Alors, à quoi va servir le mode auto? Alors, juste devant l'aspirateur, on a une lumière qui va éclairer, en fait, l'endroit où on va aspirer. Et ce principe, on le trouve sur très peu d'aspirateurs chez la concurrence, c'est vraiment sympathique. On va par exemple se mettre en auto. Alors par exemple, ici, on est sur une surface en carrelage. J'aspire, je suis en mode auto. Écoutez ce qui va se passer dès que je vais passer sur le tapis. Alors déjà, on s'aperçoit que il est ultra maniable avec sa petite lumière qui éclaire partout. Lorsqu'on se positionne sur un tapis, l'aspirateur augmente automatiquement son débit. Voilà, et donc, dès qu'on arrive sur un tapis, l'aspirateur évolue dans son aspiration et on entend bien que le débit est plus puissant. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros avantage du P11, c'est de pouvoir passer du mode automatique au mode carrelage, aspiration forte sur un tapis et aspiration faible sur le carrelage. Alors côté batterie, on est donc sur une batterie de 2500 mAh et pour charger cette batterie, vous allez devoir attendre à peu près 2h30 pour une charge complète. Alors justement, on parle de batterie. Alors en vitesse lente, on sera sur 50 minutes d'autonomie. En vitesse auto, vous serez donc plutôt sur une petite demi-heure. Et en vitesse rapide, vous aurez 10 minutes de batterie. Voilà, donc regardons cette petite brossette de plus près. À l'intérieur, on voit donc la brosse qui va rouler pour avaler les poussières. Et cette petite brosse est faite pour nettoyer vos canapés. Tout de suite, le faire ensemble. Donc le P11 est vraiment un appareil fait pour le ménage. Regardez ici, équipé de sa brosse spéciale canapé, spéciale fauteuil. On a donc ici la brosse qui tourne en permanence pour nettoyer vos canapés. L'avantage, c'est que même sans voir, on a le pouce qui se positionne instantanément, automatiquement se positionner sur le bouton tactile. Il n'y a vraiment pas besoin de voir, c'est vraiment instantané. Alors ici, on est vraiment en mode pour les canapés. Alors pour le côté serpillière, ce qui est vraiment appréciable, on va donc avoir un petit bouchon sur le côté gauche et on va remplir une petite cuve, ce qui va nous permettre de nettoyer le sol en même temps d'aspirer. Et ça, c'est franchement sympathique, ce qu'on va faire tout de suite. Une fois que vous avez rempli la petite cuve, tout simplement ça vient s'aimanter. Voilà, on peut voir que ici ça tient parfaitement bien. Et maintenant, tout en passant l'aspirateur, on voit que le sol est complètement lavé. Alors en plus d'aspirer, vous lavez. C'est super appréciable puisque les micro-poussières qui pourraient rester à l'aspiration sont directement pris par la petite serpillière à l'arrière. Alors j'avais jamais vu d'aspirateur à main équipé d'une serpillière juste par derrière et je trouve ça vraiment super cool pour nettoyer une maison impeccable. Alors je vous mettrai donc tous les liens dans la description. Vous pouvez donc trouver le P11 de chez ProSonic pour 239 €. C'est vraiment un aspirateur idéal, très léger, très maniable. On a des possibilités extrêmes lorsqu'on veut passer autour des meubles ou de chaises.
on peut le désolidariser rapidement et tout de suite avoir un aspirateur qui va pouvoir faire les angles de mur. Donc c'est vraiment un aspirateur ultra polyvalent qui mérite vraiment son nom du P11, la nouvelle génération des aspirateurs de chez Prosonic. Voilà donc les amis pour ce petit aspirateur ultra maniable. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo sur le P11, donc le tout nouvel aspirateur de la société Prosonic. Je devrais normalement recevoir bientôt le 850 qui est un aspirateur robot de la même marque avec station de vidage. Celui-ci, je le trouve très maniable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se dit donc merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. On se dit donc à très vite pour une prochaine. Salut à tous!